Y a pas un tournoi amateur là qui peut faire? On est où là? On est semaine 4. Y a pas des tournois pour les nuls, mais il fait déjà les tournois pour les plus nuls en fait. On va aller à Poitiers là. À faire ça. Aller à Poitiers, mais putain. On va aller jouer à Poitiers. Mais encore, c'est les qualifs parce qu'on peut rien faire d'autre. J'avoue, en fait, on est juste nul. Mais il n'y a pas des petits trucs. Ah, c'est le plus nul, ça. C'est juste que mon perso est trop nul, en fait. Elle perd tout le temps des places, Selena, là. Ah ouais, elle est à Poitiers, hein. Ah, voilà, elle s'entraîne. Ah non, c'est encore Emmerich. Putain, c'est encore Emmerich. Mais j'ai l'impression qu'elle progresse pas, l'autre, par contre. J'espère qu'elle va progresser, là. Ok, elle, elle a accepté. Ah ouais. Inscription acceptée, ok. Après, c'est Janicic. Mais pour l'instant, c'est pas terrible, aussi, elle aussi, ce qu'elle fait, hein. Si j'enlève le truc automatique. Ah, elle s'est inscrite là? Calvi. Non, si elle est là. En même temps, elle sera plus après. Hein. Elle progresse moins vite qu'Emeric, ouais, mais... C'est un problème. Mais Emeric, vraiment, il me rend fou. Pour l'instant, on a de l'argent. Heureusement qu'on a dit on part avec 1 million pour être tranquille. Ok. Mais va falloir progresser un jour, quoi. Mais elle, vraiment, elle a zéro progrès dans l'entraînement. Et je sais pas trop pourquoi. Est-ce que je fais pas ce qu'il faut? Peut-être. Je suis en modéré sur les trucs. Modéré. Ok, c'est pas mal ça. Ça faudra que je m'y penche un peu plus en vrai. Faudra que je m'y penche plus là-dessus. Là. Faudra que je m'y penche un peu plus là-dessus. Merde, je peux plus l'enlever. Là, je joue beaucoup dans la vitesse de progression. Bah après, elle a que 21 ans, donc... elle a que 21 ans, la demoiselle. Mademoiselle, tu as 21 ans. Mademoiselle, bonjour. Elle a 21 ans. Mademoiselle. Ok, staff 27 000, centre sportif, centre d'affaires, ok. Putain, on dépense, mais on gagne... Ouais. Tournoi plus 3 000 seulement dans les tournois. On perd un peu de sous. Salut Zarlax. Alcaraz qui gagne, très bien. Moi, pour l'instant, il n'y a personne. On est fin de semaine 5, là. Putain, j'ai la tête d'Emeric, là, à chaque fois. Rapport d'entraînement. Regarde, elle prend que 2%. Pourquoi? Emeric Milan a moyennement progressé alors qu'il prend des 15%. A bien progressé. Elle prend des 2%. Je vais faire quoi d'elle, moi, en fait? On va aller où, ensemble? Allez, dernier match pour Emeric. Là, faut qu'il gagne la qualif. Au bout d'un moment, c'est bon. Jack Carlson, Wistrand. C'est notre gars. Ouais, j'avoue, je pensais ça, quoi. À mon avis, ils abusent sur les persos créés. Hein. Ah bon, hé, 9e. Putain, mais jamais on peut... De toute façon, on tombe forcément sur un... 9e, vas-y, c'est qui, lui? Ouais, on verra, mais on peut se le faire. Je sens que c'est le moment de gagner, là. Je sens que c'est maintenant. Après, on pourrait affronter Alexander Orlov, qui est 1400. C'est maintenant. Salut, Skyzoo. Ouais, les joueurs créés sont pétés. Bon, ça va, on en a fait un pour le fun, mais j'avoue qu'ils ont l'air un peu pétés, quoi. On va se mettre sur un jeu puissant de fond de cours. Allez, même jeu d'attaque. On va être sur un jeu d'attaque, les gars. On va voir ça. Jeu d'attaque pour Emeric Milan. C'est aujourd'hui qu'il doit gagner ce match-là. C'est ni demain, ni hier, ni après-demain, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, il doit le faire. Emeric Milan, c'est toi. Un peu plus intense, je m'en fous, je veux juste qu'il gagne un match là, c'est bon. Oh, il est fatigué en plus, il faut lui mettre.
Il est fatigué, il faut vraiment aller le taper là. C'est bien! Allez, on passe! C'est une formalité ce premier jeu. Putain, il revient à égalité, j'ai envie de le niquer, putain, Emeric! Voilà! Allez, va chercher son service. Elle était quand même pas mal. Ok, c'est un supplice de voir les... Oh, il va gagner. Il va le breaker. Oh, il l'a breaké, messieurs! 3-0. Qu'est-ce qui lui arrive? Il met de l'intensité, il met de l'intensité. Combien de victoires? 0-3 pour l'instant pour Emeric. Oh putain, il s'est fait break. Oh, il me casse les couilles en fait là! Putain, mais tiens ton résultat! Non, j'ai pas une assez bonne. Mais même pas, regarde, là il a gagné les 4 premiers jeux et depuis il se fait défoncer, il me rend fou. Il est si nul, putain. Oh là 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 là, sa grand-mère à Milan. Pardon. Oh putain, j'en peux plus de lui. Ok, il l'a pris. Ok, c'est maintenant. Oh, 2 balles de 7 pour Emeric Milan, messieurs. Yeah. Ah oui. Et c'était beau, hein. C'était beau, hein. 56 points de premier service gagné. Ah ouais, faut vraiment qu'on soit intense sur les premiers services, en fait. Vraiment 56% sur un premier service. Alors le problème c'est que c'est maintenant où ça va. C'est maintenant où ça va partir en couille quoi. C'est maintenant où il va tout perdre, non? Ok, il a pris le premier jeu. Oh, s'il arrive à breaker maintenant, c'est incroyable. Sur cette balle de break. Oh, il l'a fait. Oh là là, il a breaké au meilleur des moments possibles. Là où d'habitude il a le doute. Oh, Emeric Milan. Oh putain, il le fait, 3-0. Bon, il va perdre celui-ci, c'est pas grave. Oh, quoique, il va breaker encore. 4-0, messieurs, on est en train de vivre un moment historique. Un exploit que jamais on aurait pu imaginer. Emeric Milan peut remporter son premier match en professionnel de tennis, je parle. Je passe, c'est laborieux. Oh non, il va se faire break, putain. Oh putain, il peut re-break dans la suite, dans la foulée. Break des break, méga break. Allez, embête-le. Oh putain. Oh putain, la volée. Oh, ce qu'il a trouvé, le bâtard. La zone qu'il a trouvée. On est à Poitiers, là. Ah non, on est à Barnstaple, pardon. C'est pas là, Poitiers. Ouais, c'était pas celui-là. Oh putain, on l'a eu. On l'a break. Allez, il sert pour le match. Il sert pour le match, messieurs. Emeric Milan, alias Poney Club. Et pourquoi il va la voler? Parce que j'ai pas mis le truc. Attends, du coup, on va changer la tactique juste pour cette fin-là. Et là, comme ça, il va pas comprendre le mec. Il va se dire, oh putain, au dernier moment, il change, il joue en fond de cours. Intensité max sur les points clés. Ah, nique ta mère, va, putain. Ok, c'est pas mal. On est sur quelque chose, on y croit. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il met trop d'intensité, je crois. Oh putain, qu'est-ce qu'il est doux. Ah, connard. Oh, c'est maintenant 3 balles de match. 3 balles de match, messieurs.
Est-ce qu'on va vivre un moment? Oh, la première victoire d'Emeric Milan, un professionnel qui nous fait coucou. Emeric Milan lui a dit oui. Ah bah il dit, oh le con, il dit coucou à personne, il y a personne dans les gradins, mais quel débile jusqu'au bout. Il y a personne dans les tribunes. Tout le monde applaudit, qui s'est appuyé sur applause? Qui c'est qui allait chercher applause.mp3? En tout cas, on a passé un tour simple, efficace. Bon, sans fioriture, je ne sais pas. La victoire est là. Allez, demain est un autre jour. Il est surmotivé. Ça y est, les amis, il a un handicap. Je pense aussi qu'il a un handicap. En tout cas, première victoire pour Emeric Milan. Bien entendu, on va enchaîner parce que là, on affronte Alexander Orlov. Alexander Orlov, 19 piges. Qui est là, Alexander Arnold, joue en déviation. C'est un mec qui joue en déviation. On va voir si on peut se le faire, mais j'ai un peu peur. Il joue la plupart du temps comme une machine de fond de cours. Oh putain. Je pense qu'on va rester sur ce qu'on avait en mode jeu d'attaque. Il faisait des trucs sympas. On va pas trop te mettre d'intensité au début, on va voir un peu la fatigue de chacun. Et on va voir. Arrête avec tes stories sur Insta. Tu es tout à fait en mesure de l'inquiéter et de prendre le dessus dans ce match. C'est ce que je vais faire. Il est surmotivé. On a bien parlé à Emeric Milan. Il se sent chaud, messieurs. Il se sent complètement chaud, Emeric Milan. Qualif tour 2 à Barnstaple. Et là, on est d'accord que après. Attends, 6 derniers matchs. Dernier match. Il a gagné en 3-7 et nous en 2. C'est peut-être moment. C'est peut-être. Il est un peu fatigué. On va voir si on arrive à faire un truc. Sur la ligne, incroyable Emeric Milan face à Alexander Orlov. Il joue avec une raquette de squash. C'est bon les gars, oh, on la connaît la vanne. Oh, pas mal. Il va peut-être breaker le premier. Ce serait magnifique. Ça montrerait un peu sa. Deux balles de break. Ah, allez, ce putain. Pas mal le retour dans les pieds. Ok. Oui, vas-y, va chercher loin. Va lui faire faire une faute, une erreur. Oui, bien joué. Allez, assure maintenant ton service. 2-0. Pas mal, les gars. Pas mal, il va breaker à nouveau. Emeric Milan est dans la forme de sa vie. Bon, il en a échappé. Hein. Oh non, il va se faire break. Oh, il revient. Oh putain. On peut ouvrir le débat sur le coach. Ça n'a rien à voir avec le coach là, excuse-moi, mais au bout d'un moment, quand tu tires tout dans le filet, pardon, excuse-moi, je vais arriver. C'est compliqué. Allez, un peu d'intensité pour le service, je te le dis, relâche-toi. Il se relâche. Je vais lui parler à la fin du set. On va lui dire des choses à la fin du set. 15-0, relâche-toi. Ah, il s'est pas relâché. Deux balles de set pour Emeric Milan. Bien joué. 6-2, c'est bien Emeric. On est en train de vivre de grands moments. C'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. Ne le laisse pas te sortir la tête de l'eau. Voilà, il est exalté. Il est carrément exalté, surmotivé. Il y a tout qui va dans son sens. Emeric Milan est le futur top 1. Oh putain, pas sûr. Allez, on va avancer ce jeu-là. Oh, il peut le breaker d'entrée. Est-ce qu'il va passer deux tours d'affilée, les gars? Est-ce qu'il va passer deux tours d'affilée, Emeric Milan? J'ai l'impression qu'il est en train de faire quelque chose. En tout cas, il est plus en jeu d'attaque que fond de cours. On l'a compris. Garde ton service, Emeric. Il le garde. Faut pas se faire break. C'est pas maintenant qu'il faut se faire breaker. Il est important, ce point-là. Oh, le retour, le slice de revers. Il était beau. Oh, il allait trouver une belle ligne. Oh, mais il fait de la volée, hein. Il fait de la volée, hein, le petit, là. Le petit Emeric Milano. C'est pas si mal. C'est pas si mal, Emeric, bien joué. Il est en feu. Il est en feu. Tout lui réussit à Emeric Milan. Il a 3 balles de match pour éliminer le Suisse Alexander Orlov.
Ah, il est un peu trop en feu là, il en met trop. Oh, double faute du Suisse, c'est terminé. Emeric Milan l'emporte. Merci le public, merci beaucoup. Ah, deuxième victoire d'affilée à Barnstaple. Il est bien le Emeric Milan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de points dans les trucs de qualif. Résultat mérité, rien à dire. Rien à dire, Emeric Milan is back. Emeric Milan est là. Rien ne l'arrête. Elle s'entraîne vraiment pas. Mais c'est de la merde, en fait. Elle va pas s'entraîner. Elle va rien gagner, Janity Vicic. Faut que je la libère. Pour qu'elle vive d'amour et d'eau fraîche. Oh, Ezekiel Clark. Ok, on est sûrement foutu. On est sûrement foutu. Ezekiel Clark, pardon, qui est notre prochain adversaire. C'est en plus les 16e de finale, là, d'un coup, là. Ah, c'est le premier tour et on se tape le tête de série numéro 1. Mais vas-y. Ouais, ça casse les couilles. Tête de série numéro 1 sur le premier tour. Mais laissez-nous vivre un peu. Laissez-nous tenter un truc. Les gars, on n'aurait pas pu affronter genre Max Benaïm qui sort des qualifs aussi. Ou alors Mathias Sauskomb. Pourquoi vraiment c'est, pourquoi on affronte le... Parce qu'on est le moins bien classé. C'est parce qu'on est le moins bien classé qu'on affronte Ezekiel, en fait. C'est quoi l'idée? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je dis qu'il aura ses chances. Bah le jeu même pas. Genre on affronte le tête de série numéro 1, le favori du tournoi. El favori del torneo. Ah, il a pris un ace d'entrée, quoi. Oh, double faute. Je sais pas si c'est tirage au sort, mais c'est peut-être le moment de la surprise. Vous avez raison. En plus, il est blond. À mon avis, il y a moyen de se le faire. Ezekiel. Le mec, c'est un ange venu du ciel. Putain, il me défonce. Ah, vous avez mis une prédit. Moi, ouais, j'ai pas vu, pardon. J'avais pas vu la prédit, les gars. J'avais pas vu la prédit, mais oui. Personne veut essayer de choper les 34 000 points. Comment ça, il y a 34 000 points qui ont été posés là sur... Non, personne. Ah, personne croit en Emeric Milan. Ce que je peux totalement comprendre en soi, vraiment. Je peux vraiment comprendre que vous n'ayez pas envie de mettre des points sur Emeric Milan. Oh, il y a eu 100 points. On sait jamais. On sait jamais, mais regardez-le, le Emeric Milan, comme il est déterminé dans ce qu'il fait. Bam, bam. Oh, attends. Attends, il met un jeu blanc, là. Un partout, les gars. Oh! Une surprise peut-être... Peut-être pas. J'ai l'impression qu'on arrive à prendre notre service. Sur notre service, on est pas mal. Je vais mettre en intensité. Faut vraiment pas perdre le service. Oh, attends, il peut le breaker là. Je l'ai pas vu. Oh, ça touche la ligne. Ah, dommage. Ok, nouvelle balle de break. Attends, causerie. Waouh. Point clé à fond. Relâche-toi! Pas de réaction. Il a fait trois fautes là, dégueulasse. Pète intensité, des fois j'ai l'impression vraiment qu'ils font d'un peu quoi. Putain, Deuce. La perd pas, gros, la perd pas! Bien joué, bien joué! Allez, Emeric! Oui! Bien joué! Sors-le du cours! Ressors-le! Ja! Oh, enculé! Putain! Pardon, mais merde! Oh, joli! Casse les couilles avec ses premiers services! La puissance d'Ezekiel. Ce jeu, on va le chercher. Hein. Ce jeu, on va aller le chercher. Hein. Vraiment, il est dur. Il est dur, mais on l'a fait. Bien joué, Emeric. Bon, après, c'est dur à aller chercher son service. Je te l'accorde. Est-ce qu'on va garder le nôtre?
Dur. J'avoue, babouche. J'avoue, je pourrais faire ça. Ok, 4-4, c'est pas si mal, les gars. N'oubliez pas qui c'est. N'oubliez pas qu'Ezekiel est tête de série numéro 1, s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas ça. Donc on est en train un peu de faire jeu égal avec le favori du tournoi. Ce qui veut dire qu'on est un peu favori nous aussi, enfin, en fait. Non ? Faut l'amener dans ses retranchements. Faut gagner celui-là. Oui, bien joué. Allez. Faut que t'ailles gagner ça, par contre. Bien joué, ça. Oh, la volée, elle est belle. 5-5. 5-5, il est là. Il y a 5-5, il est toujours là. Bon, ça va être sur le service d'Ezekiel là pour son 11e jeu là. Ah, dur. Ah, c'est dur. On va le perdre celui-là. Va falloir assurer le nôtre et aller au tie-break là. Oui, bien joué. Ouais, il fait beaucoup de double faute. Je pense qu'il va falloir qu'on gère un peu le premier service. Bien joué ça. Et t'as d'ailleurs raison de le dire maintenant parce que là, c'est le moment où vraiment le premier service... Quoi, sur le deuxième plutôt? Risque au deuxième service. Putain, il était en haut encore sur le deuxième. Oh, je vais l'enculer. C'est que j'avais changé le... J'avais pas modifié celui-ci sur le plan. C'était chaud. Bien joué. Allez, un partout. Oh, l'ace sur ce service magnifique. Ah là là là, il se replace pas assez vite, hein. Ouais, je crois bien ma bouche. 3-3, c'est bien. Oh, joli l'amorti. La volée là. Ah ouais, elle était dure à prendre. Ouais, non, mais je modifierai après, mais c'est juste que... C'est un 5-4, fait chier. Pourquoi il avance là? Il sait pas quoi faire. Il y va pas. Il reste au milieu. Il suce. Pas mal. 6-6. Il faut 2 points d'écart. Hein. On va vite le savoir. Ouais. Oh, elle est dehors. Oh, la chatte. Oh, putain. Oh, le fils de pute. Ouais, bien fait pour ta gueule, Aymeric Milan, là. Casse les couilles, lui. Putain. Voyez bien qu'il est con. Putain, quel débile. Putain, il l'avait. Oh, il va le break. Oh, il l'a breaké. Oh, 4-1. J'avance un peu là pour ce set là pour voir où ça peut mener. On est sur du 5-2. Attends, il peut le breaker sur... Il peut avoir un set, il peut prendre un set. Oh. Oh, dommage, elle est à côté. Bon, là, je l'ai calmé sur les doubles fautes. Relâche-toi. Allez, lui prendre le 7 sur son service, ça lui ferait du bien l'autre là. Ezekiel là, oh putain. Allez, assure s'il te plaît. Bonjour. Une balle de 7 sur notre service. Salut Willy. Ça, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à finir. On n'arrive pas à conclure.
Bah ouais, j'aurais bien voulu. Allez, allez, encore une. Vamos, il a pris un set. Il a pris un set face au numéro 1. Enfin, numéro 1 du tournoi. Dernier set. C'est maintenant que tout se joue. Putain, on prend le premier set facile. On va peut-être... Ah non, on l'a breaké sur le premier, pardon. Ouais, c'est que j'avance un peu en même temps, tu sais, pour éviter que ce soit trop long non aussi, mais... oh putain, 2-0 pour nous. Eric Milan, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait vivre des émotions. Bon, pas trop. Oh, il est en train de se chier dessus. Ezekiel, il se chie dessus, Ezekiel. Faut garder notre service, par contre. Oh! Elle nous a fait mal, celle-là. Oh non, non, pas de break. Aïe, 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 aïe. Il fallait pas le perdre. Oh, si on peut le récupérer dans la foulée, c'est magnifique. Il est inquiet, Ezekiel. Ezekiel, il commence à être inquiet, les gars. Il se chie dessus, vraiment. Il est en train... Oh, putain, oui. Double faute. Double faute, il est en train de se chier dessus, là. Relâche-toi, pas de réaction. Ok. Il veut plus se relâcher. Oh, putain. Oh, putain, Emeric. Oh, putain, t'es en train de me faire vivre des émotions, là. Dans le slibar. Oh, putain, 4-2. Ezekiel qui est complètement en train de perdre pied, là. J'ai l'impression... Second service. Out. 40-15. Salut Romain. Oh putain. J'ai avancé. D'un coup, je pensais que j'étais encore sur le précédent. Et au final. Allez, fini. Oui. On est en jeu, les gars. On est en jeu de gagner ce match-là, d'éliminer le numéro 1 du tournoi. Avec Emeric Milan, lui qui n'avait jamais gagné de match avant ce tournoi-là. Il sort des qualifs. On est sur un petit tournoi, on est à Burn Staple, mais quand même. Sachez que pour ceux qui étaient là depuis le début, bah vous avez vu qu'il a du... Oh, il a du mal à gagner des matchs. Et là, il est clairement en train de le faire. Non, le jeu, non, sur Play 4. Non, non, le jeu est sur uniquement PC. Ah putain, on l'a perdu. C'est pas grave. Allez, on sert. C'est maintenant, les gars. On sert pour notre match. Allez, Emeric. Oui, Emeric. Allez, Emeric, tu vas le faire. Mais fils de... T'es double faute, là. Oui, Emeric Milan. Second service. Ouais, magnifique balle de match, messieurs. La balle de match pour Emeric Milan. Ouh, on l'a fait. Emeric Milan vient d'éliminer le numéro 1 du tournoi. La prédit qui passe. Vamos. Oh là, il y a du monde dans les tribunes, par contre. Bien joué, Emeric. Emeric Milan. Emeric, il l'a fait, les gars. Quel affrontement. Ce match était dantesque. Ah, en ce 12 février, Emeric Milan qui vient du coup d'éliminer le number one. On va affronter un autre Français, Antoine Wang. Oh. Oh. Qui vient de avec une wildcard. On a éliminé le numéro 1, les gars. On va affronter Antoine dans ses huitièmes de finale. Après, la voie est libre pour aller gagner. Faut qu'on se le tape, Antoine, hein, je te le dis. Hein. Après, Antoine est bien placé quand même aussi, mais Antoine, vas-y, on le ken. Hein. Putain, c'est beau, les gars. C'est beau, les gars, on l'a fait. Les points. Ah oui, attends, choisir la réponse. Oui, il a gagné. Ah là 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 là, Emeric Milan, du coup. 2335e. Et là, on va affronter Antoine Wang. On va se le faire maintenant, les gars. On va se le faire maintenant. On enchaîne, on va voir. Faut qu'on gagne. Salut, Adidix. On peut le faire. On peut le faire. On rentre dans le vestiaire.
La tactique mise en place va être efficace aujourd'hui, tu as tout pour l'emporter. Les gars, attendez, je vais vite aller faire les services là, parce que du coup j'ai oublié de le faire avant. On va vite faire les services. Non, j'ai fait juste la compagnie, mais j'ai demandé à Milan si vous voulez que je le chope. Quoi, si vous voulez que je le prenne. Jeu d'attaque, et sur les services, deuxième service, bas. Monte pas au filet. Reste tranquille, mon ami. Allez, on se fait Antoine Wang maintenant. Putain, vraiment, les premiers services, ils ont du mal à passer. Il galère, Antoine, il galère. On va déjà prendre le premier. Par contre, intensité tranquille pour l'instant. On est un peu fatigué, on a eu un gros match face à la tête de série numéro 1. Non, c'est moi qui l'ai créé, Emric. J'ai créé Emric. Mais je lui avais dit à Emric si je pouvais créer son perso pour mon académie. Pour pouvoir l'insulter. Et c'est ce que je suis en train de faire. Par contre, il a un coach. Emric Poney. Mais il veut trop être dans une grosse académie, Emric Poney. Il aime trop l'argent. Oh, joli! Ah non, c'est pas passé. Ah si, c'est passé. Oh, on peut le breaker, Antoine. Duel de français, hein, bien sûr. Hein. Putain. Ça aurait été bien là de le breaker dès maintenant. Là. Aïe. Allez, chope l'avantage. Oui, bien joué. Avantage pour nous, il va faire double faute. Non. Ah oh, oui. Oh non, dommage. Mais non, dommage, fallait enchaîner là. L'avantage est maintenant pour Antoine. Ok. Aïe, il a une balle de break. Bien joué. Oh, le toucher d'Emeric Milan. Aïe, pas le toucher. Ok, il le prend, c'était chaud. Bon, on le perd dans la foulée. J'avance un peu. On le récupère. Oh, balle de break. Ça peut être très important. Ça peut être le moment décisif de ce premier set. Oh, magnifique sur la ligne. Emeric Milan qui vient de marquer les esprits. On va pouvoir être un peu plus intense. Je lui dis de se relâcher. Il se relâche. Double faute. Il se relâche beaucoup trop. Putain, quel enculé. Mais tu casses les couilles, Emeric Milan, là. Waouh. On vient de se faire breaker comme une merde, vraiment. Putain, il a une balle de retour à 5-5. Alors qu'on allait servir pour le 7. Aïe. C'était peut-être pas ce qu'il fallait rater, ça. Bien joué. Ok, 6-5. Allez, on va le breaker. On va le chercher, le 7. Sur son service, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Bah mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort le mec. Allez, c'est le tie break, messieurs. Oui, 2-0. Mini break est fait. Oh oui, joli! Mais il a une patate, Emeric Milan, frère. Il a une patate. Ah, dommage, elle tombe pas du bon côté. Fini. Bien joué. Ah non. Ah, il casse les couilles avec ses doubles fautes. J'en peux plus quand il fait ça, là. Putain. Balle de 7. Allez.
Oui, allez, la dernière. Va la chercher sur son service, tu t'en fous. Mais non, elle est pas out. Challenge, please. I want to challenge it. Ah, mais tu mets en place toi quand tu vas le faire. Ok, c'est tendu, 8-8. Quel match entre les deux Français, Aymeric Milan, Antoine Wang. Oh, elle sort. Allez. Tu l'as fait chier, bien joué. Ça m'énerve. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tué le mec là-bas. Aymeric. Il va faire une double. Putain de merde. Mais merde, mais merde. Mais merde. Aymeric. Putain. Ah, la confiance. Il a perdu la confiance. Love 15. Oh, il a tout perdu. Ah si, peut-être. Oh, il a tout perdu, il s'est fait break. Oh putain, ça y est, c'est là que ça va se terminer. S'il perd celui-là, on est baisé. Hein. Vraiment, là, le tie-break lui a fait du mal, je le sens. Mentalement, mentalement, à mon avis... Joli, joli bélule. Pas ouf. Non, non, mais ouais, mais non, mais t'aimes trop le filet, je te jure, t'aimes trop le filet. Je lui parlais à la fin du set, mais à quelle fin du set? Ce sera terminé de toute façon. Tu veux que je parle qui à la fin du set? On est sur la fin là. Ken-le, Antoine, ken-le. Deux balles de match. Ah, les deux balles de match. Pas mal, pas mal. Il est encore là, hein, il est encore là. Il est plus là, il est plus là. C'est dommage, Aymeric, c'est dommage. Écoute, t'as gagné 3 matchs d'affilée avant de te faire sortir par Antoine. T'as tenté des trucs. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, les gars? Il a réussi, il a réussi. C'est pas grave, t'as fait un bon match, t'as rien à te reprocher. Oh merde, il est triste. Il s'est levé et il a claqué la porte du vestiaire. C'est comme ça que ça se termine. Bravo quand même, Aymeric. Bravo quand même. Il a gagné 1233. C'est rien, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Mais attends, du coup, il a dû gagner en position, non? Faut que je passe le lendemain, je pense. Pour que ça se mette à jour, ou peut-être après la semaine. Mais en vrai, il a dû gagner quelques places. Et ouais, il me respecte pas, par contre, là, j'avoue. J'avoue, il y a zéro respect, là. Il y a zéro respect. Attends, il a... Mais ouais, mais il a gagné quelques... En vrai... Oh, il a gagné 361 places. Oh, il a des bonus partout, là. Regarde. Bam, 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 bam. 361 places de gagné. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal, c'est bien. On a gagné un petit peu, il est là, il est bien. Par contre, avec moi, il est... non, ça va. 3 sur 5. Quoi, 2,5 sur 5.